Nous sommes en direct live avec Philippe Mirabel qui nous a rejoint, président de l'association des chiens de troupeau de l'Aveyron, pour nous parler de cet événement, concours de chiens de berger. Et c'est à Séverac-le-Château. Avant de commencer, alors c'est pour ce week-end, bien sûr, vous qui aimez les animaux, surtout les animaux de compagnie, on va parler de chiens, mais pas que, peut-être, hein, on va voir ça avec Philippe. D'abord, Philippe, merci de nous recevoir. Et où se situe Séverac-le-Château? Séverac-le-Château se situe dans l'ouest d'Aveyron. Plutôt à l'est de l'Aveyron, après les Sacs, en bordure, pas loin de la Lozère. Et nous allons y organiser notre concours cette année pour la 4e édition. L'an dernier, nous avons organisé la finale nationale. Cette année, c'est un concours sélectif pour le championnat de France. Il va y avoir 34 concurrents qui vont s'affronter durant tout le week-end. Plusieurs classes. Il y a les classes débutants, les classes intermédiaires et les classes professionnelles, toi, qui vont concourir pour être champion de France. Nous avons pas mal de concurrents aveyronnais. En classe débutant, nous avons deux concurrents aveyronnais sur sept concurrents. Mmh. En classe intermédiaire, nous avons 11 concurrents. Alors. Il y aura 5 aveyronnais. Philippe. On va pas rentrer dans trop de technicité, tu comprends bien, parce que on n'est pas tous spécialistes du chien de berger. Est-ce que on veut ouvrir cet événement à tous les gens lambda qui ont entendu, qui ont déjà vu des chiens de berger travailler, parce que on est dans une région où bien sûr ces chiens de berger là, ils existent et c'est un vrai travail. Alors tu as parlé du championnat de France, c'est un vrai concours, ça veut dire que là, les animaux, ils sont vraiment dressés et éduqués pour aider l'éleveur. En fait, c'est le chien qui est dressé. Le chien est dressé et il nous permet de déplacer nos animaux. En fait, si on a un chien de berger, c'est pour pouvoir déplacer nos animaux sur nos fermes. Les concours sont... Beaucoup de gens, Philippe, ont des border collies, par exemple. On sait qu'il y a des races plus spécifiques pour les moutons, les brebis, les vaches, etc. Est-ce qu'il y a toi, c'est les chiens de berger, mais est-ce qu'il y a une race spécifique ou c'est toutes les races? Non, c'est pas toutes les races. La race principale, c'est le border collie. Là, c'est un concours inter-race. Il peut y avoir plus que des border collies. Hein. 90%, c'est des border collies. Il peut y avoir du bosseron. Il y a 5 ou 6 races essentiellement qui sont, qu'on retrouve, mais la race principale, c'est le border collie. Alors, ça va se dérouler sur ce week-end, le samedi et le dimanche. On dit 2 jours. Ça veut dire quoi? Qu'il y a plusieurs épreuves que les chiens vont devoir réaliser? Oui. Le samedi, ce sera les classes débutantes qui vont participer. Et le dimanche, ce sont les professionnels. Ce sont les meilleurs, la classe élite qui vont faire le parcours de 8h du matin à 17h du soir. Et tout au long de la journée, vous pourrez venir voir ce spectacle. Il y aura en plus des animations grâce aux habitants de Villeplaine. Ouais. Les habitants de Villeplaine qui se sont joints à nous pour faire des animations. Il y aura un marché d'artisans, créateurs. Des balades en calèche, rando pédestre, une tombola aussi pour Octobre Rose. Et nous allons faire un petit geste pour cette association qui milite pour le cancer. Et nous, il y a aussi moyen de se restaurer le samedi et le dimanche. Le dimanche, nous aurons un aligot saucisse à vous proposer. Mm-hmm. La réservation se fera sur le site. Et le samedi, ce sera un agneau de 7 heures, lentille. À réserver, voilà, sur place, le samedi. D'accord. Bon, ça, c'est plutôt bien sympathique. Et puis, c'est un événement qui est conseillé en famille, en plus. Hein. Oui, bien sûr, oui, en famille, oui, puisqu'il y aura des animations pour les enfants. Et puis, bon, le travail du chien, c'est aussi un spectacle de voir comment le chien obéit à son maître. C'est vraiment un beau spectacle à voir. Et justement, c'est une éducation, on va dire, particulière. Il y a
Il y a des gens qui peuvent se dire, bah tiens, moi j'ai un beurre décollet, est-ce que je pourrais effectivement peut-être réaliser certaines choses avec, comme le font, on parlait des débutants, tout le monde se dit, bah oui, mais les débutants, par exemple, c'est quoi les exercices qu'ils vont devoir réaliser? Alors, c'est là le but de notre association. Nous sommes une cinquantaine dans notre association, une cinquantaine d'agriculteurs, majoritairement des agriculteurs, qui viennent là pour se former à l'utilisation du chien de troupeau. Tous les chiens, tous les bordeurs ne sont pas forcément bons pour le troupeau. Mais notre association a cette vocation-là de voir les chiens qui sont bons pour le troupeau. Nous sélectionnons des chiens aptes à mener nos troupeaux de brebis, de vaches, de chèvres, de volailles aussi. D'accord. Et vous les C'est le conseillez? but de l'association, c'est ça, c'est former l'agriculteur et trouver des bons chiens pour mener nos troupeaux. Former l'agriculteur, trouver des bons chiens, et est-ce qu'il y a une partie aussi éducation, ou alors vous les renvoyez après vers des éducateurs spécialisés? Non, nous faisons venir des éducateurs en lien avec la Chambre d'agriculture. Nous organisons des formations. Il y a des formateurs qui viennent donner des cours aux agriculteurs, des cours d'obéissance et des cours de comment utiliser le chien face à un troupeau. D'accord. Voilà. Ce sont des stages qui durent 4 jours, un jour par mois, pour qu'entre chaque journée, le maître ait le temps d'expliquer à son chien comment ça fonctionne. Voilà, donc au printemps, à l'automne, nous organisons régulièrement des formations. D'accord. Et est-ce qu'il y a des gens qui peuvent, par exemple, être intéressés par votre association, Acte 12, hein, je pense que c'est le nom de l'association. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, bah, tiens, j'aimerais bien prendre contact avec cette association-là pour savoir si mon chien serait apte à être chien de troupeau? Oui, bien sûr, vous pouvez venir. C'est réservé aux agriculteurs, majoritairement aux agriculteurs. Ouais. Mais tout le monde peut venir. Moi, j'ai un troupeau de brebis qui fait que ça, qui sert qu'à ça. Et vous pouvez venir avec votre chien et on regardera ensemble ce qui fait face aux animaux. Ah ben c'est Il n'y super a aucun génial, problème. On accueille tout le monde. c'est super intéressant, et je pense que c'est bien de mettre en valeur cette association-là, parce que il en existe peut-être beaucoup d'associations, à surtout culturellement parlant, mais une association comme ça qui est, bon, on l'a bien compris, plus réservée pour les agriculteurs, mais qui s'ouvre aussi à monsieur, madame, tout le monde, ça c'est absolument génial. On vous rappelle, l'association c'est Acte 12. Je pense que vous avez un site où les gens peuvent pouvoir rentrer en contact avec vous. Oui, on a un site Facebook, oui. On D'accord, a un donc. site Facebook. Mais on est. Oui, vous trouverez. Vous pouvez nous contacter par ce biais-là, oui. D'accord, Acte 12, Facebook, ça marche bien. Et ça, Voilà. c'est plutôt sympa. Donc, on vous rappelle que c'est une journée, on va dire, pas que avec les chiens, bien sûr. La priorité, c'est les concours, on l'a bien compris, les chiens de berger. Mais toutes les animations qu'il y a autour, et comme Philippe l'a dit, avec les artisans et des créateurs locaux, des balades en calèche, des randonnées pédestres. Tombola, des coins gourmandises avec gâteaux, buvettes et repas. Et je suppose que là, les gens, ils doivent se dire, d'accord, ça me paraît bien, pour passer un petit week-end, ça peut être sympa. Est-ce que c'est gratuit, payant? L'entrée est gratuite. Ah ben voilà, mais c'est encore un top, ça. Voilà. L'entrée est gratuite. Et pour stationner, alors, ça va être, c'est compliqué ou pas compliqué? Certainement, à la campagne, il y a assez d'espace et nous avons des champs réservés pour le parking juste à côté du concours. Bon, eh ben, je pense qu'on vous a fait, on vous a tout dit, on a fait tout le tour. Philippe Mirabel est avec nous. Acte 12, c'est l'association. Regardez sur Facebook, connectez-vous. Pour vous rappeler, c'est ce week-end, le 28 et le 29, à Séverac-le-Château. Là aussi, je suppose, un riche patrimoine aussi, non? Ah oui, du site où nous sommes, nous avons une vue derrière magnifique sur le château de Séverac. C'est vraiment un coin très agréable, très très agréable. Eh bien voilà, comment joindre l'utile et l'agréable. Concours de chiens de berger, c'est à Séverac, le château, c'est le 28 et 29, c'est samedi et dimanche. Merci beaucoup, Philippe. Avec plaisir.